Good morning, allez, Daniel Sussra, aujourd'hui, le Nishma, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucienne Batreina, Shalom Ben Chibiba, Amram Ben Sulika, Marie Myriam, Bat Julie, les Bet Verda. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions le Sechane Darim Pektet, Mishnon Delet, Voda Marabi Meir Potrin Lo, Min Akatub, Shebatora, Vomrim Lo, Ilo Aita Yodea, Shata Over al Lotikom Velotitor, Vel Lotisna et Achicha Bilvavecha, Ve Avtal Eracha Kamocha, Ve Che Achicha Imach, Shema Ya'ani ve'en ata yachol lefarneso. V'amar ilo haiti yodea shuken ilo haiti noder areize mutar. On a une Mishnah qui est à moitié liée à la Mishnah précédente, plutôt, qui ressemble plutôt à la première Mishnah du chapitre, mais cette fois-ci, que tout le monde est d'accord sur ça. V'adama Rabbi Meir, encore il a dit Rabbi Meir, encore une autre halakha. On avait vu la Mishnah précédente de Rabbi Meir. Le sujet de la Mishnah Bet et Gimel, c'est ce que Potrin ben Olad, est-ce que je peux ouvrir, annuler le neder, en me fondant sur une donnée qui a changé, ou encore, si j'avais prononcé au moment du neder que j'interdis cette chose-là à cause d'une chose qui me dérange, et cette chose qui me dérange disparaît, est-ce que c'est une bonne cause pour permettre le neder? Maintenant, on a une nouvelle situation qui ressemble plus à la Mishnah, première Mishnah du chapitre, où, est-ce qu'on peut, que Rabbi Meir me dit, « Potrin lo mina katuv sheba Torah », on peut ouvrir, on peut supprimer le neder, en lui évoquant un verset qui est écrit dans la Torah. Le principe général, il est que lorsque tu as prononcé un neder et qu'après tu regrettes, il faut que tu regrettes de manière à ce que je t'apporte des éléments que si, au moment où tu as prononcé le neder, je te les avais dit, c'est sûr que tu n'aurais pas prononcé le neder. Ça, c'est une bonne cause pour annuler un neder. Il faut que ce soit des choses qui existent déjà au moment où on prononce le neder. Ça, c'était un. Et à présent, on a Potrino Minakatouv, Shabbat Torah, on pourra lui ouvrir le neder en lui montrant un pasouk explicite dans la Torah en lui disant « Regarde, tu transgresses un grave interdit, toi t'es un bon juif, peut-être que tu savais pas que cette chose-là allait être interdite, c'est ta conduite que tu as eue. » Par exemple, Vomrim, on lui dit « Ilo haita yodea, si tu savais que Shata over alotikom belotitor, que tu es en train de transgresser à l'interdit de ne pas se venger ou de ne pas garder en soi la haine contre son ami, il y a deux interdits, lotikom belotitor et bene amecha. On n'a pas le droit ni... Concrètement, ça s'exprime comme ça. L'Agma, elle explique ça dans Sanhedrin, que Nekama, c'est que je me venge, et Netira, c'est que je garde dans le cœur quelque chose que tu m'as fait. Genre, tu es venu hier, tu m'as demandé, prête-moi ta pelle. Je t'ai demandé, prête-moi ta pelle, tu m'as dit, non, j'ai pas de pelle. Alors que moi, je sais que tu en as une. Demain, tu viens, tu me demandes que je te prête mon râteau. Alors sur ça, la Michal me dit, l'Agma dit, si toutefois je lui dis... Tiens, je te prête mon râteau, moi je suis pas comme toi, je suis pas radin comme toi. Là j'ai transgressé un interdit de Netira, parce que j'ai exprimé que j'en avais encore sur le cœur contre lui. Si toutefois je lui dis non, je te prête pas parce qu'hier tu m'as pas prêté, là c'est Nekama, je me venge, que je veux pas, autant que tu m'as pas donné, je veux pas tuer. D'accord? En général, lorsqu'on prononce un neder, c'est parce que tu as été froissé, et que tu vas lui rendre. Tu m'as pas laissé profiter de toi, je te promets que tu vas plus, je fais le neder que tu vas plus profiter de moi non plus. Donc, le chacham, il pourra ouvrir en me disant, écoute, il va m'ouvrir le passage, il me dit, tu te rends compte, l'otikom et l'otitor, quand je suis en train de transgresser l'interdit de Nekama, je me venge, il n'a pas voulu me faire, alors je ne vais pas lui faire non plus. Ou encore, le ve'al lotisna et achira belvavecha, qu'on va me dire qu'il va m'ouvrir le passage cette fois-ci dans le chumash, aussi il va écrire Yotet, où il y a écrit là-bas que j'ai pas le droit de haïr mon frère dans mon cœur. J'ai prononcé le neder parce que je suis fâché contre lui. Et là, lui, le chacham, il va me dire, écoute, moi, c'est écrit dans la Torah que tu n'as pas le droit de haïr, t'en compte que tu es en train de haïr. Ou encore, ve'avta l'eracha kamocha, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ve'cha achicha imar, il faut que tu le soutiennes dans sa misère, dans sa peine. Shema ya'ani, ve'en atayachol lefarneso, de peur qu'il va devenir pauvre, le voisin. Et qu'il n'y aura personne qui pourra lui donner à manger, et alors toi, tu as l'obligation de lui donner à manger. Si tu avais eu cette donnée-là, au moment où tu as prononcé le neder, tu aurais quand même prononcé le neder ou pas? Et là, sur ça, il me dit, la Mishnah me dit, si j'avais su que c'était réellement comme ça, que je transgresse un interdit, lo haiti noder, je n'aurais pas prononcé le neder. La Mishnah me dit, dans ce cas-là, arezé moutard, le neder, il a été annulé, c'est-à-dire que le chacham, il a réussi à permettre le neder, mais ce n'est pas considéré comme du nolad, parce que cette fois-ci, c'est des données qui existaient au moment où tu as prononcé le neder. Et sur ça, je te dis, si tu avais vu l'ampleur de ton acte, qu'en fait, tu t'envoies un autre interdit de la Torah, c'est sûr que tu n'aurais pas accepté. Donc ça va faire une bonne cause pour laquelle on va pouvoir annuler le neder, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.